Catherine Thibault, conseillère pédagogique départementale en arts visuels. Madame Catherine Thibault. Bonsoir à tous, donc je vous remercie d'être venus nombreux ce soir. C'est une belle histoire qui est partie d'une rencontre avec l'école d'art Claude Monet, et tout particulièrement lors de l'exposition précédente avec le Conseil Général « Et moi, et moi, et moi » en 2009. Je souhaitais travailler avec les enseignants sur la question de l'exposition et réfléchir à comment aller à la rencontre de l'art contemporain à l'art d'aujourd'hui avec nos élèves. Je suis convaincue que l'école et dès l'école maternelle est le lieu privilégié pour favoriser la découverte des œuvres d'art et éveiller ainsi le regard de chacun. Ce qui est la meilleure manière pour moi de lutter également contre les inégalités d'accès à la culture. Nous avons l'ambition de faire des enseignants de véritables passeurs qui pourront ainsi faire partager à leurs élèves leur rencontre avec les œuvres, mais aussi avec des artistes, comme on a pu le voir ce soir. Depuis quelques années, on parle beaucoup d'histoire des arts, parfois au détriment de la pratique artistique. Et si nous souhaitons rendre nos élèves créatifs, il me paraît important de ne pas oublier d'aller au-devant de l'art vivant, même si celui-ci, comme ici ce soir, joue à s'emparer de la mémoire. Je remercie les enseignants qui ont participé à ce commissariat pour leur énergie, leur engagement dans ce projet et le temps personnel qu'ils y ont consacré. Et je remercie le Conseil Général, la ville d'Aulnay-sous-Bois, l'école d'art Claude Monet, qui nous ont permis de découvrir et de vivre un vrai partenariat. Cette exposition n'aurait pas eu lieu, sans doute, si un seul de ces acteurs était venu à manquer. Et je remercie aussi les partenaires des musées qui nous ont reçus dans leur structure tout au long de ce projet.